Et ça y est les amis, je viens officiellement de naître sur Roblox. Bon par contre, je suis vraiment tout blanc quoi. En tout cas, merci papa de m'avoir mis au monde. Un jour je serai musclé comme toi. Allez, on rentre à la maison. Wow, mais c'est que j'ai grandi super vite pendant le trajet. Je suis déjà beaucoup plus grand que mon propre lit. Si ça c'est pas génial, nous allons pouvoir assister aujourd'hui à toute ma vie, de bébé jusqu'à l'adulte et jusqu'à peut-être ma mort. Non, ne parlons pas de ma mort, nous y sommes pas encore. Mais là, en tout cas, nous avons une première mission qui est d'aller chercher la clé de la porte. Mais il ne faut surtout pas déranger notre maman. Et pour cela, il ne faut pas toucher le sol, hein, sinon on va réveiller la maman. Hein. Donc bah écoutez les amis, on va tenter de faire attention, mais je ne suis qu'un bébé, moi je ne suis pas. Ça va être compliqué d'aller jusqu'à là-bas, comment je vais faire? Je sais déjà sauter. Wow! Mais en même temps, avec un père aussi musclé, c'est normal que je sache déjà sauter comme ça alors que je ne suis qu'un bébé. Bon, on va faire attention. Est-ce que si je saute sur les vêtements, ça compte ou est-ce qu'il faut que je passe par là? Par contre, on va déjà s'évader de la maison, c'est ça? Hop, merci les jouets qui sont restés au sol. Hop là, c'est les jouets de mon grand frère, ça. Ça, c'est la chambre de maman, il faut éviter d'y aller. Alors, elle est où la clé? Je sais pas, attendez, on va essayer de monter par là, on va aller voir. Il faut que je saute sur les livres, là. Yes, c'est parti. J'ai failli toucher le sol et réveiller maman. C'est bon, on va pouvoir y arriver. Yep, ok. Encore un peu, c'est bon. On y est presque, la clé est juste là. On va pouvoir s'évader de la maison. Oui, je suis un bébé irresponsable. Ouais, non. Ah, c'est maman. Wow, elle a pas de visage, ça va maman. Ok. Elle nous attache directement dans le lit. Et on doit recommencer, très bien. Très bien, mais je vais tâcher de faire attention cette fois-ci. Yep, c'est bon, maman dort. On va essayer de faire le moins de bruit possible. Je vais pas parler trop fort. Non, j'ai trébuché, mais en même temps, le plafond est tellement bas que je me le suis pris. Je me suis déjà cogné. Bon, bah vivement que je sois plus un bébé parce que j'en ai marre d'être chez ma mère comme ça. Elle arrête pas de m'embêter. Je peux rien faire ici. Ouh, c'était limite là. C'est bon. Allez, go. On y va. Le pot de fleurs. Le teddy au sol. Ça. Oh, je vais monter ici. Parfait. On peut monter sur le cadre. Nickel. Attention, hein. Oups. Aussi. Et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans cette pièce, mais... La clé! Waouh, waouh, attention! C'est bon, je l'ai! Je l'ai ou pas? Allô? Ah, la clé? Allô? Oui, c'est bon, je l'ai, la clé! Ok. Maintenant, on va tenter d'ouvrir la porte principale. Attention. Ok, on va passer par là. Tac. C'est bon! On y va! Les amis, je viens de grandir. Je viens de passer à l'étape 3 sur 15 et on est toujours un enfant pour l'instant. Hein. Alors, mon prochain objectif est de trouver pas mal d'équipements. Hein. Ah, il faut trouver tous ces objets-là. Bon, très bien, très bien. Eh bien écoutez, on va aller à l'étage. Ah, ok. On est obligé de sauter, on peut pas juste marcher. Hein. Il faut sauter pour passer de marche en marche. L'avantage, c'est qu'on en passe 3 d'un coup. Oh, il y a un truc derrière. Oh, le biberon! Prends-le! Prends-le, ça pourrait servir. Non, apparemment, on s'en fiche de toute façon. On n'a plus besoin de biberon, nous on est déjà assez grands. Bon, on va aller derrière ici, voir ce qu'il y a. Ah, mais je connais pas encore ma maison, je viens juste d'arriver, moi. Vous savez, je viens de naître, là. Je sais déjà marcher, mais il n'y a pas de problème. Là, il n'y a rien. Oh, regardez, il y a un petit jeu. C'était ça, c'était Mr. Quack. Là, il n'y a rien, là, il n'y a rien. Et là, il y a quoi? Let's go, le pingouin. J'espère que maman n'est pas là. Maman est toujours pas là? Oui, non, c'est bon, elle s'est pas réveillée. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce-là? Et on a... Oh! Silly, apparemment, hein, qui nous fallait. Est-ce qu'il faut prendre lui aussi? Je connais pas les jouets. What? Qu'est-ce qui se passe à la télé, là? Oh, il y a un truc derrière. Il y a... Oh, c'est la tablette, les amis, la tablette avec le jeu Roblox. Ça a bien évidemment installé dessus. Ce qui fait plaisir, voilà, jouer à Roblox dès votre plus jeune âge. C'est génial. Alors là, il y a... Oh, il y a un truc ici, là. Non, c'est pas pour moi, ça. À mon avis, il faut aller dans la cuisine en bas, en espérant qu'il n'y ait pas maman. Ah non, on va dans le sous-sol, carrément. Il n'y a pas de cuisine ici. Alors, où est-ce que ça m'aide? Oh, il y a vraiment définitivement pas de cuisine ici. Hein. Maman ne fait pas à manger. Alors, il y a quoi là-dedans? D'accord. Oh, il est sûrement là-dessus. Ah, c'est le dragon. Let's go. Le dragon, je l'ai. Donnez-le-moi. Yeah. Non, c'est pas ça, apparemment. Faut que j'en trouve un autre. Peut-être ici. Non, peut-être dans l'armoire. Non, mais il est où, Rattle? C'est qui, Rattle? Je sais pas, moi. Ce qui serait derrière, là? Oh, c'est un véritable cache-cache dans cette maison. Mais en même temps, c'est le bazar partout, je comprends pas. Vous êtes sûr que c'est pas ça, Rattle? Non, c'est pas ça. Bon, bah très bien, on va remonter à l'étage, alors, hein. Bob, t'aurais pas vu Rattle? Je sais pas où il est, Rattle. Ah, ça serait pas ce petit hocher, là? Let's go! C'est quoi, ça? Oh, les amis, regardez, je suis devenu officiellement... Un enfant à 4 sur 15! Wouhou! Et je crois que je dois déjà aller à l'école. Non, je peux pas ça. Je suis pas d'accord, je suis né il y a 10 minutes, je suis pas censé aller à l'école, moi. C'est quoi ces trucs là au sol? Je sais pas, c'est des boules de pétanque. En sous-construction, quoi?
L'école n'est pas... Et des pas filés. Bon, en tout cas, mon objectif, c'est de trouver ma voie pour aller dans, en classe, hein, en salle de classe. Alors, est-ce que ça serait juste là? Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette école? Effectivement, c'est... Ah, ok. Oh, il y a un passage secret là. Mais sauf que bon, ça m'arrange pas tellement, quoi. Il faut absolument trouver notre voie, mais notre école est un véritable labyrinthe. C'est n'importe quoi. Et j'ai bien vu qu'il y avait un truc bizarre au mur. Oh non, me dites pas qu'il y a des portes qui vont me tuer. Oh, c'était sûr en fait. C'est bon, c'est bon, on vient de revivre enfin. Bon bah celle du milieu est à proscrire, alors on va tenter, ouais à droite ça peut être pas mal. Ouais, ça a marché, wow. Bon les amis, disons que le chemin pour aller à l'école est parsemé d'embûches. Ça va être chaud, hein. Yep, c'est bon, un petit hobby apparemment. C'est bon, ok. Faut pas toucher, c'est quoi, c'est de la neige? Je sais pas trop ce que c'est, il faut pas le toucher en tout cas. Ah d'accord, c'est que quelqu'un a renversé son lait, d'accord. Bon, c'est du lait, on va dire que c'est du lait. Allez hop, on y va. Oh, c'est qui, Jack? C'est le gardien ou alors c'est un élève? Un élève un peu méchant comme ça. J'espère qu'il veut pas me... Ah mais si, il veut me bouler. Il veut me bouler, faut que je monte. Ah, ah tu m'auras pas, Jack. Ouais, mon père est hyper musclé, fais attention et je vais le faire venir. Et bientôt, je serai aussi musclé que lui, alors je viendrai te défoncer. Oh, ils sont deux en plus, hein. Qu'est-ce qu'il veut, l'autre? Vous voulez vous battre? Venez vous battre. Ouh. Ah oui, c'était encore un petit peu petit, pas. Oh, ils ont l'air vénères, les types. Allez, on rush. Vous m'aurez pas, bande de loups. Yep, yep, yep. Un petit coup de toboggan. Et yeah, c'est bon. Bande de loups, restez derrière. Yeah. Ah, c'est toujours pas la salle de classe, hein. Mais les amis, je suis devenu un adolescent. Et apparemment, il faudrait venir à bout de la puberté. Les boutons, etc. Alors, est-ce que c'est, les boutons sont symbolisés par ces trucs qui poussent de manière très rapide, heureusement? C'est vrai, j'ai pas touché. J'ai pas touché, c'est pas moi ça. Est-ce que, ouais, est-ce que tout ça c'est vraiment des boutons? Heureusement que ça pousse pas comme ça dans la vraie vie, hein, parce que ça, ce serait un peu bizarre. Attention. Yep. Ok, on passe par là. Tout se passe bien pour l'instant. On va y arriver, hein. On cherche toujours à aller en classe ou est-ce qu'on est devenu adulte et on part au boulot? Je sais pas trop. Non, on est toujours pas adulte, hein, on est teenager. Notre première fois en discothèque, les amis. Alors là, on a au moins 16-17 ans, hein. Franchement, on est plus... Oh, si c'est un adolescent, quoi, ça va, ça va. Hop là, attention à ça, attention. Ok, c'est bon, on arrive à se situer à peu près à notre âge, hein. On est à 16-17 ans, ça c'est une bonne nouvelle, hein. Oh. On a encore grandi, on est à 9 sur 15 maintenant. Et on a 3 petits bonhommes, je sais pas trop ce qu'ils nous disent, hein. Attendez, on va essayer de lire ce qu'il y a écrit là. Ah, mais ils parlent de temps en temps, en fait. Ah, ça y est, c'est un quiz. Waouh. Apparemment, il reste juste une étape avant de devenir un adulte responsable. Alors, attendez, est-ce qu'il faudrait... Ah, d'accord. C'est pas un quiz, mon frère, c'est juste un... Ah, ben non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur parler à eux ou quoi? Question numéro 1. Quelle est la capitale de France? Oh, ça tombe tellement bien, mon ami, je suis français, moi. Alors, il s'agit de... Paris. Let's go, c'est correct. Quiz numéro 2. Attention, vas-y, pose ta question. Pose ta question. Ah, qu'est-ce, combien ça fait 4 multiplié par 4? Et ça fait 16, hein. Bon, ça va. Je rappelle que j'ai quasiment 20 ans, là, il faudrait peut-être arrêter de me poser des questions faciles. Alors, qu'est-ce qui est rouge assez petit et qui arrive sur notre face lorsqu'on ne se lave pas ou qu'on mange trop sucré? J'aurais pensé aux dents, aux dents, mais bon, vu que c'est rouge, ça doit plutôt être des boutons. Alors, comment on écrit ça en anglais? Je suppose que bouton, non, ça marche pas, bouton. Ou alors acné. De l'acné? Bon, c'est bon, j'ai ouvert mon traducteur, et il semblerait que ce soit des pimpis comme ça. Non, ça, c'est pas ça. Sans S, peut-être? Alors, ça serait un L à la place du E, c'est ça? Ok! Ah, généralement, c'est pas bon signe. What? Eh, hey, tu m'as pas laissé le temps d'y aller! Eh bon, réouvre-toi, parfait. Alors, prochaine question, question numéro 4. Compléter ce programme. Ah, c'est une série. Ça serait pas Family Guy? C'est une animation, je crois. Family Guy, j'espère que je l'ai bien écrit. Hein. C'est bon? Oui, parfait, c'est le one shot. Et ensuite? World best you get to Facebook. Quoi? Ah, combien, quel âge il faut pour avoir Facebook? Je crois que c'est comme Discord, hein, il faut avoir 13 ans, hein, c'est ça, non? Oui, c'est ça! Let's go! Oh, c'est un piège, ça ou pas? Non, c'est bon, tout va bien! Allez! Ah, merci. Alors là, normalement, je vais être à la 10ème étape sur 15, c'est ça, et je suis un adulte! Et qu'est-ce qu'il y a écrit là? Quoi? Adult stage, ah d'accord, c'est le niveau d'adulte, oui, on va voir ça. C'est quoi cette porte géante? Oh, il faut prier, les amis. Ok, on va se positionner là.
Yeah. Il est né le divin enfant. Ouais, je chante bien, monsieur. Il y a une porte là ou quoi? Non, c'est bon. Wow, wow, ça y est, l'église se lance. Oh, c'est parti. Oh, on a un choix à faire, les amis. Est-ce qu'on va au collège ou est-ce qu'on va en prison? J'hésite tellement. La prison? On va aller en prison. Attendez, il y a quelqu'un là ou pas? Ah non. Oh, les amis, on est en prison. J'ai choisi la mauvaise voie. What? Il y a... Ah, c'est le chemin 9¾ ou quoi ici? Il y a le chemin de traverse. Alors, c'est le chemin de traverse. Alors, attendez, on va monter. On va voir ce qu'il y a. Oh, oui, il y a mon collègue. Ah, il est bâti de terre. Ok. Et là, il y a rien. Oh, on peut y rentrer là-dedans. What? Pourquoi ça va tuer? Oh oui, il y a bien un passage, hein. Essayez ça. Ah, mais c'est qu'il y a un garde juste derrière. Hop là, on va essayer d'y aller, mais c'est chaud, je peux pas. Ouais, c'est sa tête qui sort. Mais je pourrais jamais y arriver. Il y a un long couloir, ça serait trop bien qu'on puisse y arriver, mais c'est chaud, hein. C'est trop chaud. Oh, il me défonce, je peux pas y aller. Bon bah, je crois que les amis, on va devoir prendre la meilleure voie, la voie du collège. On va aller à l'école et tout se passera bien, normalement, si on finit pas en prison derrière. Allez, go le collège, on a enfin réussi à avoir la salle de classe qu'on cherchait depuis tout à l'heure. Combien font 8 multiplié par 8 64 64, c'est parti. Allez, ouais, voilà, c'est bon. C'est ça ou pas? Oui, c'est ouvert. Go. Ah, non. Il faut répondre et y aller très vite, hein. C'est bon. Waouh, faut se dépêcher, hein. Quel os se situe au centre de la cage thoracique? Alors là, les amis, ok, il va falloir revenir en SVT, là, comprendre. Ah, non, ça, c'est de la géographie, ça va pas nous aider. Je sais qu'on a la scapula, mais c'est pas au centre. Et on a... Bah, au centre, c'est le sternum. C'est le... Attends, on va tester. Sternum. C'est ça ou pas? Ah oui, ça a marché. Let's go. Ah, du premier coup, les amis. Bon, après, je crois que c'est les deux seuls os que je connais dans la cage thoracique. Hein. Alors, quelle est la racine carrée de 4 multiplié par 16? Mais déjà, 4 multiplié par 16, ça fait quoi? Ça fait 64. La racine carrée de 64, c'est pas... C'est... Bah, je sais pas, c'est 4, non? Non, mais c'est 8. Mais 8, c'est 8. Bah non, c'est pas 8. Oh, mince. Non! Ouais, je vais quand même pas faire toutes les puissances de 2. Ah, ça a pas marché. 32 peut-être. Oh, ça a marché, c'est coup de chance. Mais franchement, c'était un peu mal écrit, hein, parce que ça pouvait très bien être 8 en vérité. Hein, mais bon, ok, c'était 32. Hein. Alors, quel est le pigment vert qu'on trouve dans les plantes? Comment on dit en anglais? Alors là, je sais pas du tout. Alors, vous ne connaissez pas la réponse. Ce que vous pouvez faire, c'est partir de l'université, prendre un nouveau chemin dans la vie. Oh, ah, j'ai pas envie d'aller en prison. Bon, oh, on peut pas passer par là, il y a un passage secret. Ah non. Bon, attendez, je vais regarder sur Internet. Je sors mon téléphone. Donc, apparemment, ça serait la chlorophylle qui... Mais la chlorophylle, c'est pas la menthe, la chlorophylle. Bon. Allez, go. C'est bon. Oh. Nommer greenhouse un gaz commun qui contient de l'hydrogène et de l'oxygène. Bah là, les amis, on a le choix. On a du méthane en CH4. Ah, ça marchait pas. Ah non. Sinon, on a l'H2O. Alors, attendez, on va regarder. On va se mettre en face de la porte. H2O. Ouais, c'est bon, c'est ça. Ah, ok, les questions deviennent de plus en plus compliquées. Heureusement, je me souvenais de ces deux-là, mais il y avait aussi du carbone. Mais oh là 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 là. Des équations à deux inconnues. Alors, 4 fois A plus 6 B égale 10. Combien font 12 A? Ok, d'abord. 2 A moins 4 B et 12. Mais 4 fois 1 plus 6 fois 1 égale 10. Ça marche, mais 2... Fois 1, donc ça fait 2, moins... Bah non, ça marche pas, ça. Il est possible que A soit négatif, hein. Oh bah, je crois que je vais aller en prison, moi. Oh là là, bon, ok, alors attendez, je vais réfléchir un petit peu, là, parce que ça va pas se faire en 2 secondes. Hein. Ah, j'ai quelqu'un ici qui va peut-être pouvoir m'aider. Alors, est-ce que t'as trouvé, toi, ou pas, cette équation, là? Elle propose 26. Ça a pas l'air de fonctionner. Oh, si elle trouve, franchement, j'y vais direct. Hein. Sinon, je vais sortir mon téléphone, je vais regarder sur Internet. Hein. Alors là, je suis en train de regarder, et quand je vois tous les calculs qu'il fallait faire pour trouver... c'était pas facile du tout. Apparemment, c'est 48, les amis. Alors, je vais le faire maintenant. Voilà, c'est bon, ça marche. Oh, non. Ça a marché pendant 2 secondes, attendez. Hop. 48, c'est bon, on valide. Wow. Par contre, c'est dangereux, là, j'ai failli tout recommencer. Ah non, c'est bon, il y a un mur invisible, en fait, hein, heureusement. Alors, du coup, on va aller à la suite. Oh, regardez, en fait, la prison, c'était seulement un Squid Game qu'il fallait faire avec des petits trucs comme ça. Ça aurait été tellement plus simple.
Ne croyez pas que la voie de la prison est plus simple, les amis. Ne retenez pas ce que je viens de dire. Donc bah écoutez, go! On est maintenant à 13 sur 15 et on est dans les... Oh, il faut qu'on trouve... Oh, notre amour, peut-être dans cette maison. Bonjour, je cherche l'amour. Ah, ok. L'amour est dans le pré, là, clairement. Hein. L'amour est dans la forêt, plutôt. Là, c'est... Par contre, cette maison... Ah, on pourrait peut-être rentrer par la fenêtre. La fenêtre est ouverte. Attendez, on va tenter d'y aller. Non, ça marche pas. C'est le mec qui veut rentrer chez les gens. Peut-être dans le puits. Hop, on va aller voir dans le puits, mais je suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un. Hein. Oh, mais c'est tellement sympa, cette allée. On va prendre le chemin principal. Waouh, c'est ici que nous allons trouver... notre amour. Sinon, il y avait un autre joueur hein, qui était là. Hein. Peut-être que ça peut le faire, je sais pas. Oh, la cascade est magnifique. C'est trop stylé. C'est un endroit parfait pour trouver l'amour. Est-ce que... Ça pique, ça. Wow. Oui, vas-y, remonte. Tu peux monter jusqu'en haut ou pas? Oh, oui, je vais y arriver, je crois. Oh, oui, c'est bon. J'ai réussi à monter jusqu'en haut, mais ce sera pas très utile, je crois. Alors, où est-ce que je peux te trouver l'amour? Alors apparemment là-bas je peux pas y aller, enfin c'est encore en construction. Ah, mais si peut-être, ce serait là-dedans. Mais attendez, il y avait quoi de l'autre côté? Je sais pas, bon, on va aller là-dedans, on va voir ce que ça donne, mais je suis pas sûr. Ah, elle est peut-être perdue en fait. Peut-être qu'il faut retrouver notre amour perdu. Ah, il y a un jeu de mots quoi. Mais par contre, faut vraiment sauter là-dedans. On y va. Ow, what? Non, mon amour perdu serait vraiment là. Qu'est-ce qu'elle fait là, sérieusement? J'ai pas confiance en cet endroit. C'est très chaud, hein. Il fait très chaud en basket, là. Yep, je commence à avoir des trous sous les baskets, il faut qu'on se dépêche. Non, y a rien, toujours rien. Ok, on va continuer de ce côté-là. Alors, ok, très bien, c'est comme dans mon école, ma première école. Là, on est vraiment sur un labyrinthe, mais c'est bon, apparemment, il était pas trop compliqué. Bon, on a un petit hobby à faire. Hop. Oh. Et alors de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y avait du coup? Je sais pas. Ah, mais on pouvait s'en sortir par là, peut-être. Peut-être qu'elle est dans cette maison en vérité. Wow. C'est pas vraiment une maison ça les amis. Ce n'est pas vraiment une maison. Oh mais oui, il faut prendre la fleur. Prends la fleur. Bon, je suis pas sûr de vouloir la piquer à l'église la fleur, mais bon, ça porte malheur quoi. Non, je la laisse là apparemment. C'était pas ça qu'il fallait faire. Est-ce que peut-être qu'elle est morte? Ah, c'est ça, il faut qu'on trouve 3 fleurs. Waouh. Mais du coup, il y avait quoi dans la mine là-bas? Je sais pas. Alors attendez, on va prendre celle-là déjà. Bon, désolé, je vous la redonne dès que possible. Je vais en faire repousser 10 et je vous la redonne. Ah, mais non, mais c'est qu'il y aura sûrement une fleur au fond de la mine en fait. Bon, pas très bien, on a déjà une. Est-ce qu'il n'y aurait pas une deuxième qui traîne avant qu'on s'en aille de cet endroit très glauque? Donc il en reste 2, il reste une jaune et une verte. Et il y en avait une ici, mais elle était pas... Ah, attends, what? Mais elle n'est pas de la bonne couleur. Alors est-ce que la jaune... Oh, regardez, il y en a plein. Il y en a plein, vas-y, prends-la. Ah mais, en fait, là le problème c'est que je l'ai dans la main. Et donc il faut que j'arrive à la poser. Mais c'est où, il faut la poser à la maison là-bas? Je sais rien moi. Alors, ah mais regardez, il y a la violette là, mais la violette on la veut pas. Est-ce que je dois la poser ici? Non. Où est-ce que je dois la mettre? Ouh, là il y a la rouge, ok. J'ai trouvé toutes les couleurs sauf les bonnes quoi. Est-ce qu'on peut pas la poser ici, cette petite fleur? Non, on peut pas hein. Ah c'est bon, j'ai pu la prendre. Oh, en fait c'était pas la même jaune que tout à l'heure. Oh, on est en train de faire un magnifique bouquet. Et là maintenant c'est la red lava. Donc on va vraiment être obligé d'aller chercher là-bas, ça c'est obligatoire. Par contre, cette petite rose rouge, à mon avis, elle doit être bien stylée quand même, hein. Bon, par contre, faut se retaper tout le labyrinthe, alors c'est parti. Oh, hop, c'est bon. Alors, je sais à peu près où c'est, hein, c'est au fond à gauche, hein. Voilà, très bien, c'est par là, c'est par là, c'est par là. Voilà, sauf que cette fois-ci, on va tâcher de ne pas tomber, parce que... C'est vrai que ça serait dommage de perdre... Les deux fleurs que je viens de trouver, on va se positionner là, descends, voilà, t'es prêt? Yes, c'est parti. C'est bon, c'est validé cette fois-ci. Oh, faut descendre là sur la petite plateforme. Yep, yep. Voilà, j'y suis. Yes, c'est bon. Oh là là là, c'est serré l'affaire. Ah. Oh là là, c'est tellement chaud. Je ne veux pas perdre mes 2 fleurs. Yep. Ok, c'est bon. Oh ben non, il faut faire le petit parcours. Ah non, il faut passer sur le truc du milieu là. Non, ce délire. J'y arriverai jamais. Ah, il y a des plateformes qui arrivent là. Il faut aller où maintenant? Faut aller là. Non, j'ai perdu mes 2 roses. Dégoûté. Alors là, les couleurs vont changer du coup. Ah non, c'est les mêmes. Bon, très bien, cette fois-ci, on va prendre le temps d'observer comment fonctionnent les plateformes. Parce que je vous avoue que j'ai sauté sans trop savoir. Bon, c'est bon, tout se passe bien pour l'instant, c'était limite quand même. Yep, c'est bon.
Parfait, parfait, allez. Plus que ces deux cordes, et ensuite on va regarder un peu comment fonctionnent les plateformes. Hein. Sinon on pourrait sauter sur le truc du milieu. Hein. Mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution. Alors, comment ça fonctionne ici? Il y a ces deux plateformes qui sortent là. Mais waouh, elles sont trop dures à sauter si les unes sur les autres. Hein. Est-ce qu'on n'a pas d'autres qui arrivent sur le côté? Non, même pas. Oh, très bien, très bien. Bon, bah, allez, on va retenter l'affaire. Allez, revenez. Revenez, les amis. Parfait. Allez, cette fois-ci, faut pas se rater. Oh, mais non! Mais c'est impossible, ce saut, c'est impossible! Ok, alors du coup, ça m'a demandé d'en trouver deux nouvelles, là. Alors, la White, c'est bon, on sait qu'elle est là. Et l'Indigo et la Midnight Black. Alors, la Midnight, je sais pas où elle est. L'Indigo, c'est pas le bleu qu'il y avait sous l'eau, là? Bon, en tout cas, l'avantage, c'est qu'on n'aura pas besoin de retourner dans la cave, normalement. Alors, on va tenter de prendre celle-là. On va voir ce que ça donne. Est-ce que ça fonctionne? Ah, non, ça a pas l'air de fonctionner, c'est pas la bonne. Hein. Mais Indigo, c'est pas un truc un peu plus violet, si c'est ça, c'est devant la maison là-bas. Hein. En tout cas, la noire, je sais pas du tout où est-ce qu'elle peut être. Hein. Peut-être dans les arbres. Alors, attendez. Ah, on va tenter. Oh, non, c'est pas la bonne non plus. Aïe, 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 aïe. Je cherche la Midnight. Oh, attendez, il y a un petit passage là. Laquelle ça pourrait être? Surtout, c'était l'arrêt de là-bas. Non, pas ici quand même. Waouh. Ok, petit tunnel. Oh non, ça va être pareil, il y a un petit hobby là. Ok, allez, j'espère qu'il n'est pas aussi dur que l'autre. Hein. Oui, c'est la noire, les amis, la Midnight. Parfait, ne pas mourir, ne pas mourir. Maintenant, il manque plus que la Indigo. Oh là là, c'est quoi Indigo déjà? Il me semble que c'est quand même bien... Oh, les couleurs, franchement, blanc et noir comme ça, c'est pour un enterrement ou quoi? Non mais Indigo, c'est vraiment violet, hein. Normalement, c'est celle-là, je pense. Hein. On va retenter de la prendre, mais celle-là est peut-être plus rose, je sais pas. Oh, non, ça marche pas. Où est-ce qu'elle peut être, l'Indigo? Ah, regardez, il y a un petit hobby à faire également sur le mur, là. Ça nous permet de monter sur les arbres. Ou alors monter sur le... Oh, ouais, on peut aller là-bas. On peut même aller sur l'église, mais à mon avis, il faut monter sur l'arbre. Alors, hop, ok, ok. On peut faire quoi, maintenant? Il n'y a pas une petite fleur qui... Une petite rose qui dépasse de l'arbre, non? Apparemment, il fallait pas monter sur l'arbre, hein. Alors, à quoi ça peut servir? Parce que là, on peut pas aller sur les autres arbres. Ah, si, regardez, il y a une verte, là. Ah, mais c'est pas la verte qui veut. Ok, la verte, bon, on sait où elle est, maintenant. Ah, on peut passer par là, aussi, hein. Ok, ok, on va pouvoir monter sur l'autre arbre. Si j'y arrive... Non, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Oui, c'est bon. Ok, on peut pas aller sur l'arbre directement. Je pourrais pas sauter, là. Allez, go, 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 go. Yeah, c'est bon, c'est passé. Allez, dites-moi qu'elle est là. Dites-moi qu'elle est là. Non, non, il y a rien sur l'arbre. Est-ce qu'on peut pas aller sur l'église? Bien sûr que si. Bien sûr, est-ce qu'il y en a une tout là-haut? Non, ok, peut-être sur le côté, mais c'est obligé que c'est là. C'est obligé, on n'est pas monté pour rien. Ah, peut-être sur l'arbre suivant. On va la trouver, les amis, on va la trouver. Je vais y arriver, je vais faire. Non, elle n'est pas là. C'est incroyable, ça. Et ça ne lui suffit pas, juste deux fleurs, en vérité. On va faire le tour ici, mais à mon avis, on ne pourra pas monter plus haut, à moins de forcer. Mais est-ce que déjà, il y a une fleur? Non. Ah, peut-être en forçant ici, là. Yeah. Yeah. Non, ça passera pas. Ici? Ouais, ok, j'ai réussi. Ouais, je suis passé au travers. Non. Petit passage, juste là. Il y a quelque chose ou pas? Oh, il y a la... C'était l'indigo, c'était ça. C'était pas vraiment un violet, c'était un bleu comme ça. Ah, mais il y avait la orange, juste là. Ça y est, je commence à toutes les trouver. Bon, bah très bien. En tout cas, l'arrêt de là-bas, on la verra pas. Alors, il faut que j'aille placer ça au cimetière. Bon, bah voilà, hein. Notre amoureuse est morte. Hein. ça, c'est sûr maintenant. Hein. Non. Voilà! What? Mais non, c'est moi qui suis mort maintenant! Je suis en train de monter au paradis! Ben oui, je suis pas passé en prison, donc je vais directement au paradis! Je rejoins mon amoureuse, bien évidemment! Let's go! Wow! Les amis, on y est! Est-ce que je vais vous penser que je vais être accepté au paradis? Bonjour monsieur, est-ce que vous m'acceptez au paradis? Ok, il a pas l'air très... Oh, droite ou gauche? Il a pas l'air très bavard. Gauche, peut-être? Oh. Oui, ok. Et à droite, ça fait quoi? Ok, la même chose. Génial. Salut Dieu! Merci de m'avoir accepté! Et c'est quoi ça? C'est quoi ce truc-là? Non! Je suis en enfer, les amis! Bon bah écoutez, les amis, je vais finir ma vie en enfer. J'aurais jamais dû sauter juste là-bas. J'ai été débile, j'aurais dû lire ce qu'il y avait écrit. Bon bah on se dit à la prochaine, hein. N'hésitez pas à aller voir une autre vidéo qui s'affiche sur l'autre écran. J'ai mis des vidéos tous les jours. Donc go sur ma chaîne. Salut à tous, c'est Red Kill. Bye tout le monde! Non, je suis dégoûté.